Rebonjour, re-bienvenue sur nos bonus quotidiens, plus ou moins quotidiens, et plus ou moins bonus, hein, dans le cadre de Doc. Mais pourquoi il veut pas me... Mais achète-le, bordel! Et pourquoi il veut pas l'acheter? Mais il est complètement con ou quoi? Il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans. Bon, c'est pas grave. Moi je suis prêt, hein, en théorie. Ouais, on arrive, on arrive. Alors, nous avons dit. Pardon, l'œil des cavernes, si j'ai défoncé ton tympan avec ma petite intervention de Valek. Le problème, c'est que je suis pas sûr de pouvoir en régler le volume. C'est un peu le problème. Bon, ben, j'essaierai de baisser le son la prochaine fois, t'inquiète pas. Parti. Oh putain, step. Bordel de merde. Step by step. Eh oh, c'est moi qui l'ai fait celle-là. bah écoute. Ah bah en plus c'est à base de. Voilà, c'est à base de Oui. le drapeau, tout ça. Ouais. Bon bah écoute. Je sais pas si j'ai dû gagner, si j'ai dû la gagner une ou deux fois cette map, mais. J'ai bien envie d'essayer de passer par le milieu, tu vois, genre F5, quelque chose comme ça. Alors, ok, t'es en léger, mais c'est quand même un AMX-38. Oui, je l'ai pas testé beaucoup. Hein. Ah bah tu vas vite comprendre C'est oui, non, la voilà. rapidité. Ok, je comprends. Je comprends. L'abusance. Ah la C'est un vache. léger à la française. AMX-38 et AMX-40, c'est du blindage et, avant tout. Donc. Alors par contre, on se retrouve quand même contre du 6. Ah oui. Un peu violent là du coup. Bah T'es écoute, on va ultra... pas faire Ouais. les foufous, hein? Non, surtout toi, parce que en fait, ces chars-là, en français, ils sont ultra blindés. Ils résistent à presque tout. Dans Oui, les mêmes pierres. des charlatans. Ouais, mais dans les mêmes pierres. Ouais. Je suis Charlie. Un fucking A20 qui est déjà en train de nous zigzaguer dans les pattes, là. Je suis Char M3 Lee, n'est-ce pas? Barre de merde. Bah, je l'ai raté. Oh là là. Aïe. J'ai l'impression que mes tirs sont lents comme des. Bah, je l'ai raté. Ils sont lents comme de la merde, puissants comme de la Aïe. merde, précis comme de la merde. Ah. Merde. Ah bah là, je l'ai Eh, pas j'ai raté. touché. Bah apparemment, on est deux à pas l'avoir raté. Merde. Là, je l'ai encore pas Oh, raté. je l'ai pas raté non plus. Comme quoi, bien Ah bah lui joué. non plus, il m'a pas raté. Oui. Ah. Allez, on vise, on vise, on vise, bordel. Ils sont seulement touchés. Ils sont seulement Ils sont touchés. touchés. Allez, un petit blind shot, non. Il est parti là-bas, lui. Bon. Comme d'habitude, hein, les gens y contournent comme des blaireaux. Ils ont rien à foutre. Au sud-ouest, mais ils se disent, tiens, on va aller manger du cassoulet à Toulouse. Ah bah Putain. sur ce map, hein, voilà, c'est quand même ultra classique. Hein. Oui, non, mais c'est ça me dépasse. Les gens qui ont pas encore compris que ça servait à Oh rien de merde, j'ai raté. contourner, en fait. Je crois que c'est calibré Ah exprès. putain, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis plus. Note qu'on est Oh un les peu chafis. séparés, je suis pas sûr que je sois dans une position très sûre. Hein. Ah bah moi je suis sûr que je suis quasiment mort. Il y a une percée au milieu avec des tiers 5. J'arrive, hein. Il y a une percée au milieu avec des fucking tiers 5, même le léger, je lui fais pas de dégâts, donc ne tirez pas dessus, je suis gentil, c'est pas moi. Putain, il arrive à fond la caisse lui. PZ machin truc qui m'arrive à fond la caisse dans le fion là. Excuse-moi, j'ai une petite interruption. J'ai Bon. essayé de te cover. Il est mort. De te Harry cover. Bah moi je vais aller cover le drapal.
Ouais, c'est exactement ce qu'on est censé faire. Putain, et les mecs, ils ont dépassé le drapal, ils disent mais non, mais capturer, mais quelle idée. On est en infériorité numérique, mais pourquoi est-ce qu'on capturerait vraiment? Je ne vois pas. Partie où ça peut marcher, mais là je suis pas sûr que ce serait super bien engagé. Alors c'est un Merde. tier 6, alors lui on va rien lui faire. Je te trouve bien défaitiste. Alors je commence à avoir un petit peu d'expérience sur le jeu. Alors, je suis pas bon, mais allez, allez, sors de ton trou. Allez, allez, on va avoir le drapeau, on prend le drapeau, on n'en a rien à foutre. Voilà. Ah, il y a enfin un mec de l'équipe qui s'est sorti les doigts du fion. Au moins, tu marqueras des points d'XP pour de la capture. Exactement. Qu'on veut perdre de toute façon. Mais tu vas dans quel sens là? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'intercepter celui qui nous fonce dessus, en fait. Oui, puis tu te dis que mourir, tu seras plus. Bon. Voilà, hein. Là, Voilà, on en met un faut petit. passer la colline. Et après, on va être beaucoup plus tranquille, tu vas voir. On met un petit, on le laisse avancer. Là, il y a le Chaffee qui arrive. Vas-y, Chaffee, tu sors tout droit. Ah, bah, il m'a contaminé. Non, mais Chaffee, descend la voilà. colline. Bon, bah voilà. Écoute, au moins, je leur en ai mis deux. Ouais, non, Alors mais que je suis le en truc, bas, on n'en a même pas mis du tout. Donc, c'est que si tu descends de la colline, on peut te cover, alors que là. Mais j'étais une première colline, j'en ai eu mis un, j'ai reculé. Deuxième colline. Sauf que le Chaffee, il a tiré au lieu de circuler. Donc, voilà. Mais les mecs, Oh, mais cherche pas, c'est perdu, hein, ils sont c'est pas pas la joueurs. question. Ils sont vraiment pas joueurs. Mais non, mais tu sais bien que j'ai un char tellement puissant. Sauf que là, Bon, il t'a bah voilà. fini à la percussion. Ouais, non, mais ça s'engageait très mal, je te dis. Le Allez, rien que retourguillage. l'idée d'aller contourner pour aller faire je sais pas quoi, ça ne marche jamais. Le char à canon, ouais, c'est totalement ça. Pourtant, ça marche pour les adversaires, c'est marrant. Ouais. Ah, là, c'est la Bon, difficultance quand même. bonjour les gars. Ouais, mais je pense que tu vois, les adversaires, ils ont eu aussi l'intelligence de passer par le milieu, tu vois. Alors, c'est extrêmement compliqué en fait de passer par le milieu sur cette map. Enfin, c'est Ouais, selon comment mais. ça s'organise en face. Là, Tout à fait. ils ont eu du bol. Pas dur, Ouais. ils ont eu du Bah, bol. je crois surtout qu'ils se sont rendus compte que De on tirer avait tout de le monde au sud-ouest, et donc du coup, il n'y avait personne au centre. tir de tir de. Allez. La puissance du canon Bénise. Oui, parce qu'en général sur cette map c'est un voire deux maximum au centre pour du spotting dans le petit canyon derrière les rochers et derrière ça Ouais, se mais passe sur les côtés. quand t'as tous les lourds au sud-ouest, tu peux être sûr qu'ils ont un, aucun angle sur le milieu, et deux, ils pourront jamais se déplacer à temps pour faire une intervention. Pas ça. Bon. Parce qu'ils peuvent pas passer eux-mêmes par le milieu. Quand ils sont au sud-ouest, ils peuvent pas passer par le milieu pour rejoindre le petit chemin à la con. Donc c'est vraiment très mal barré dans ce genre de cas-là. Une belle. Greenberg, bah c'est celle de, ouais, celle de d'habitude. Ah Que t'as bah joué tout à l'heure en artillerie. moi je suis en quoi? Je suis en médium. Bah, j'ai du mal. On va essayer de voir ce qu'on va pouvoir faire. Médium, ça va, il était. Son plus gros défaut, en fait, c'est sa silhouette. Alors, coucou à Bordelot qui vient de nous rejoindre. Est-ce que c'est un rapport avec Bordeaux, avec Bordel, avec Bordelot? Je ne sais pas. Il habite au bord de l'eau. C'est possible. Mais est-ce que On ça se vient. merdier, ces conneries-là. Est-ce que t'habites Bourg-la-Reine? Bon, je vais à la. Bah, je vais comme toi, hein, vers la ville extérieure, vers le faubourg. Voilà. On va voir ce qu'on peut y faire.
Fucking PZ1C. Ah, merde, où est-ce qu'il est? On va voir ce qu'on peut y faire. Il a pas percé. Il a pas percé. Il est derrière la baraque. Fucking tir 3. Non, je suis parti pour mes 23 secondes de reload. Aïe, aïe, il en veut à mon cul. Aïe. Malheureusement, point, point. Ah, j'ai un angle sur lui. Oui, bah. T'es mort. N'hésite pas. Encore. Merde. One of our tracks is damaged. Allez, allez, on vise ce bordel. Le tir supérieur. Putain, genre il me défonce avec sa merde. Là. Oui. Oh là le problème c'est que voilà. PZ1C quand c'est un petit tiers. Et puis comment il a réussi à se démerder avec à se retrouver avec un PZ1C en top tiers, bordel de merde. Ah bah écoute. C'est possible. C'est une honte. Moi quand je suis PZ1C, je me tape des tiers 5, des tiers 6. Alors coucou Mathieu 592, sois le bienvenu. Alors oui, il y a des modes, moi ça fait un moment que je dois m'installer le mode pour les voix des écolières de Girls und Panzer, hein, si vous connaissez. Mais bon voilà, c'est pas encore fait. Ah, apparemment on a perdu le truc avec la MX, donc voilà. Bon, ça c'est fait, allez. Hop. Bonjour le garage. Eh bordel. Ouais. De la merde, de la merde, de la merde. Point, point. Tu portes ton AMX toi? Oui, oui, bah oui, ça écoute, ça, ouais, ça n'a pas réussi. Ça. On a tout à fait échoué. Il y a Polta niaisé là. 3 du 4. Ah, grand parc. Grand oh parc. J'ai du mal sur grand parc. Ah bah c'est difficile, mais en gros, faut éviter les. Enfin, faut juguler les percées par le oui, tunnel mais... et par le couloir. Je connais un peu, mais j'ai du mal sur cette map. Ah, bah, elle est loin d'être facile. Je vais essayer de passer par le chemin de fer, hein. Enfin, par la voie est. Ouais, bah, moi je suis de l'autre côté, donc on va essayer de bloquer. Ah là 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 là. Ouais Mathieu, je suis en hop hop hop. Alors, en fait, je suis un fake débutant puisque j'ai déjà pas mal d'heures sous 360 et du coup là je recommence. Ça fait je sais pas, ça fait un mois que je joue un mois et demi. Ouais, je crois que tu joues déjà pas. Hein? Tu joues une fois par semaine. Tu joues une fois par semaine. Donc. Oui oui. Autant dire que je suis quand même pas à la frame hein, sur PC. Mais bon. Disons que tactiquement je connais un peu les maps. Après, j'ai du mal à m'habituer à la. J'ai l'impression que en PC, j'ai l'impression que les chars sont vachement plus fragiles. Qu'en console. Ah merde, j'ai pas fini. Merde, 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 il est en train de passer le coup. La ninja, salope. Ah fuck. Je suis planté. Disons, les mecs, je veux dire, voilà. Il y a un peu beaucoup de monde à beaucoup d'endroits qui ne plaisent pas du tout. Bizarre, c'est tout le monde qui est sur notre drapeau là quand même. On a des médiums et du léger qui est planqué sur notre drapeau. C'est vrai que la team Fourien a l'air d'être totalement présente. Okay. Bon. Salut. En plein dans le mille, ouais, mais on lui a. Alright. Merci pour le follow. Je suppose que. Ah non. On m'a ninja celui-là. Ah bah autre chose. Merde, voilà. Merci du follow Nekozilla Bassiou, je suppose que c'est quelqu'un qui est passé. Pardon. PZ1C qui est passé, on va essayer de le convaincre. Ah oui, non, mais... Alright en fait, je pensais que t'étais déjà mort depuis longtemps, désolé. Bah non. Bon bah du coup... la tourelle, fuck. Du coup je vais fuck, devoir faire fuck, du remplissage. Fuck. Ah t'es déjà sorti du machin. Apparemment il y a eu un autre follow que j'ai raté parce que voilà. Ah, Nekozilla Bass Jump, ok.
Mathieu a 3 ans sur le PC. Bah écoute, si jamais tu veux nous filer un coup de main avec des lotières, il n'y a pas de problème, hein, parce que Ah bah si tu le prends comme ça, moi j'ai 4 ans j'ai 4 ans et demi d'ancienneté sur World of Tanks. Eh Oui, oui, non, mais bon. mon compte date d'avril 2012. Hein. Oui, Ah la base. techniquement, Oh putain la techniquement. base. Rassurée, elle est perdue celle-là. Elle le sera dans pas longtemps. Encore des points de vie dans tous les sens. Ça va tellement. Et puis les autres, ils vont jouer le kill, bien sûr. Ah bah oui, évidemment. Mais prendre les drapeaux, c'est vraiment pas un... Tu vois, c'est pas un truc de vrais hommes, tu vois. Alors, coucou à Désolé. Carnivore Mais tu vas prendre 926, pour les sois le autres. bienvenu, tout ça, les bières sont au frigo. Donc, comme je disais à Mathieu, n'hésite pas à venir nous rejoindre, nous inviter, faire un plopon, tout ça. On est vraiment très mauvais. Bah Mathieu, oui, évidemment, ça dépend des branches, mais si tu veux, je me souviens comment c'était quand j'étais dans le Lotière, parce qu'en fait, je fais presque les mêmes charges que sur console. Je me souviens quand j'étais dans le Lotière, c'était pas aussi sévère, hein, parce que là, c'est quand même PC, c'est instantané, hein. vachement méchant, ouais. En lotière sur PC, c'est one shot two shot, hein. Ouais, alors que sur console, bon, je bong, ça a tendance à pas mal rebondir. Mais ouais, bon, évidemment, je fais quand même. Je crois que pour l'instant, j'ai pas un seul lourd sur Je vais PC. mourir. Donc, déjà, ça commence comme ça. Je vais mourir. Tu vas mourir. Yeah. Ah, à un moment, il va falloir que je gère la caserne parce que. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, il a pu tirer une demi-seconde avant moi, Ah, bah sinon voilà. c'était l'inverse. C'est pas Bon, grave, on a gagné. t'inquiète pas, Mathieu, il n'y a pas Fondu de la souci. base, on a gagné. Oh, on a gagné! Oh, Infériorité numérique. la victoire! Bon, bah écoute, J'ai bien fait mon boulot, je suis pas mécontent. c'est déjà 1x2 en moins. Trois. Loulou! Ouais, non, t'inquiète pas, Mathieu, il n'y a pas de souci, mais un de ces quatre, éventuellement, rajoute-moi. Tu dois voir mon pseudo ici, donc Taquenso, ouais, underscore, machin, bidule. N'hésite pas à me rajouter. Et puis, bah, un de ces quatre, il n'y a pas de problème. T'as déjà choisi ton char, donc. Oui, non, mais je suis à la frame, évidemment, moi. Oui, donc c'est Je vrai que n'ai pas survécu. t'étais sorti bien avant, du coup. Mais tu vois, Mathieu, je fais pas mal de chasseurs et d'artillerie, donc forcément, c'est pas les chars les plus résistants, hein, ça c'est clair. C'est clair. Mais le matchmaking est quand même assez dégueulasse en lotière, je trouve, par rapport. Parce que je crois que sur console, tant que t'es niveau de 1 à 3, tu restes entre niveau de 1 à 3 ou pas loin. Et Jusqu'à niveau, c'est juste le tiers 2, c'est à partir de tiers 3 que ça part en couille. voilà, à partir de tier 3, ça part en couille. Mais là, déjà, on est tier 1, tier 2, tier 3, déjà, ça se barre complètement en sus, des fois. Bah, tiers 2, on peut tomber contre du tiers 3, Alors, maxi. M305, le pseudo le plus court de l'univers. Ah, excuse-moi, bon, je t'en rajouterai après. Oh! Oh, mais oui, chouette, ça fait longtemps qu'on l'a pas Une aile fait. d'orphan d'hiver, ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Une aile d'orphan d'hiver. Winterberg, c'est Windberg en hiver. Pardon, c'est comme ça. Bah écoute, pour l'instant quand même au niveau technique, je dois quand même me réjouir, un, de ne pas avoir rebooté inopinément, Oui, avec un magnifique je suis écran en train bleu, d'y comme ça penser, m'est justement, je me suis arrivé. dit, tiens, Et les BSOD. ouais, et il n'y a pas eu Tout se perd. de changement impromptu de scène. Ça aussi, Oui, ça mais fait ça, souvent. tu l'as désactivé, il me semble. Oui. Mais faut que je m'en occupe. Alors, par contre, j'ai une très mauvaise distance de détection avec ce char, apparemment. Bah laisse les potes passer devant, ils ont pas de Le verre est très petit. problème. Nous on passe devant, hein. On n'a rien à foutre. Allez-y. Bon par contre, ça serait bien qu'il y ait des gens qui s'occupent du.
dans la police. Ça a l'air comme ça au milieu, toi. Hein? Ah putain. Mais... t'es pas bien dans ta tête, tu veux qu'on en parle? Regarde, ils sont chumeaux. Je l'ai raté. Oh putain, merde. Merde, merde, il est en train de passer autour, le con. De l'autre côté, je m'occupe de lui, mais... Oh putain, ah, mais y'en a un autre. Ah, y'en a deux autres. Ah putain, bon bah voilà. Bon, ce côté-là. On va essayer de donner... Ouais, ceci dit, est-ce que je devrais donner des indications tactiques? Aïe, aïe, alors aïe, que j'ai fait une partie de merde. Parce que j'ai pas envie d'avoir... Salut mon... J'ai pas envie d'avoir mon bonus sur une partie de merde, je crois que ça va... Aïe, 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 aïe. Bah écoute, Mathieu, moi j'aurais rien contre un clan, hein, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Mais parce que ce qui nous frustre pas mal en fait, c'est d'avoir de pas avoir une grosse influence sur la bataille quand on est oh putain, c'est fait. Ça c'est fait, ouais. Quand on est je crois que c'était attendu, genre, ils étaient trois de ce côté là-bas. Ouais. Non mais on est en train de se faire complètement déborder par là-bas. Alors on a plein d'idiots qui sont allés au château. T1E6, le problème du TRE6, c'est que le premier coup peut être précis, mais les suivants... Ouais. Tac tac. Alors comment est-ce qu'on ajoute des gens? Tac tac. Ajouter. Et donc M305. M305. Alors je suppose que ton plan c'est ESPFA. Vous êtes des Espagnols, des Franco-Espagnols. On laisse faire tout. Okay. Les ravages de la violence. Les ravages de la violence. Bon, ok. La demande est là, un C. Écoute. Bah, j'ai encore du 2, hein, histoire de changer. Attends, il y a Guégué. Ah, mais non, si c'est Guégué. Ouais. C'est Guégué qu'on connaît ou. Non, il c'est Guigui, celui qu'on connaît. De quoi tu me parles? Qu'est-ce que je fais? Oui, non, je pense à. J'ai le regret de constater. Guégué, non, je ne sais pas qui est Guégué. Non, c'est... Alors, je confonds avec Guigui, oui. Non, c'est un viewer qui était venu jouer avec nous une fois, je crois. Ah, c'est possible. Merci pour le follow, Luxus977. Sois le bienvenu, bien le bière, le frigo, tout ça. Bah, on l'invite Guégué ou quoi? Bah, il m'invite à... Déjà, je vais jouer, attends, je sais pas. Je vais lui demander s'il veut... Ouais, ouais, parce qu'on est déjà... Éventuellement, dis-moi s'il est OP, j'essaierai de lui faire un petit lien Discord. Tac tac. Comment fait-on les liens Discord déjà? Sur le chat. Non, c'est bon, c'est pas un souci. Ça, tac, on copie. Tac tac. Il est déjà venu? Alors oui, je sais pas s'il a gardé le... Mais il avait déjà joué avec nous, il était en vogue. Oui, c'est Guigui l'autre. Est-ce qu'il est sur mon channel... Est-ce qu'il est sur mon channel Twitch? Je sais pas. Je sais plus s'il était venu par chez toi ou par chez moi. Je vois pas de Guégué, hein. C'est peut-être... Non, il m'a contacté sous le jeu, en fait, j'ai gardé les viewers dans, dans la liste. Bah écoute, éventuellement, si tu veux lui... Lui copier le déjà Discord. Une Discord déjà envoyé une invitation, on verra après. Problème. Égalité sur les enfants d'hiver, un peu autre chose. Bon bah écoute, au moins on a limité les dégâts. Hein. Bah, il a pas l'air de rejoindre, donc on y va. Bon, on y va. Hop, aussi ça me casse les couilles. C'est pas grave. Alcatel, ils ont un peu fait de la merde sur la dernière mise à jour d'Android là. Il n'y a pas de dysfonctionnement majeur. Il y a deux choses qui sont extrêmement contrariantes et pas tout à fait acceptables. C'est-à-dire? La première, quand tu as chargé ta batterie à 100%, tu as une notification sonore que tu ne peux pas désactiver. Mmh. Ah, c'est là, quand tu charges la nuit ou des choses comme ça. Mmh. Et la deuxième, c'est que quand tu branches ton téléphone en USB sur un PC, eh ben, il s'installe. Si, il charge, c'est pas question, il s'installe, machin et tout, il installe les pilotes. Sauf que ça ne fonctionne pas correctement, donc tu ne peux pas avoir accès aux fichiers. Faut installer l'application propriétaire Alcatel pour avoir les pilotes dédiés.
Ah bah en même temps, je veux dire, Et ça en voilà. 2016, c'est pas tout à fait acceptable. T'es à Alcatel, je veux dire, voilà. T'as un peu cherché, hein. C'est le Saint, hein, donc, mais... ouais, non, mais tu je t'explique, t'es fait violer, jusqu'à la mise à jour précédente, c'était pas le cas. Oui, non, mais... Ça, c'est un truc qu'ils ont fait en passant à Android 6, et c'est pas vraiment acceptable en 2016. Tu t'es fait violer, mais t'as vu comment t'étais habillé comme une salope. Moi, je suis quoi je suis une artillerie, je crois. Semble, enfin, oui. Je suis pas certain. Ouais, oui, et puis vous êtes deux avec la même. C'est un peu la relougance, hein, le fait de pas avoir les icônes de char à côté des silhouettes, c'est quand même en 2016. Oui, ça dans la liste des users sur les côtés là, c'est un petit peu, c'est un petit peu relou. C'est complètement débile. Bon, de toute façon, faut que je... Alors, il se passe des choses dans la ville. On les a mis ce coton. Putain, j'ai des ralentissements, bordel de merde. Ah bon? C'est pas le jeu, c'est l'affichage. Et quand je stream et j'enregistre, parfois j'ai des gros coups de ralentissement. Ah oui, mais si t'enregistres en même temps, je veux dire. Ouais. Mon jeu reste 90 FPS, mais. Oui, bon, encore, ça bouffe que dalle en CPU, donc. Bah, le problème, c'est pas que ça bouffe que dalle, mais est-ce qu'il y a des sautes, tu vois? Quand t'as des sautes, bon, bah voilà, tu peux te retrouver avec des. Avec de la merde. Oh, le même de light, je lui fais pas bien mal, mais s'il s'occupe de mes collègues et que je peux le prendre par le côté, ouh, il est pas tout seul. Ça, c'est faisable. Allez, allez, allez. Ah putain, ouais, bah oui, mais forcément. Si t'as pas percé. Si les ennemis est un peu résistant quand même. Fais gaffe quand même, hein. Oui, je fais gaffe, sauf que je lui ai lâché, donc je suis mort. Non, je suis en mort. Allez, je suis une IHS. Non, mais je t'explique, le mec il lui restait 2 HP. Je lui ai lâché 50 obus. Ouais, ouais, j'ai vu. Regardez ça, d'en haut. Je lui ai fait 0 dégâts. Donc, du coup, ça m'a un petit peu foutu en vrac parce que mon plan précédent c'était de foncer par là où il était en fait. Oui, non, et j'imaginais pas un seul instant qu'avec 50 obus sur le côté en tirant à différents endroits, j'arrive pas à lui faire 2 HP de dégâts. Donc voilà, c'était un petit peu. Ça s'est bien passé. Autant dire que ça s'est pas très bien passé. Seulement, il voulait bien montrer son cul, lui. Son pote. Allez, la tête, alouette. Non, je fais de la merde. Putain, les mecs, ils restent planqués leur race dans leur baraque là. Alors, pareil, un des gros défauts de World of Tanks, parmi les défauts qu'il a, un des plus gros défauts. Tu ne peux pas te mettre dans la vue que le mec utilise. Ouais, oui, mais quand t'es en jeu normal, c'est chiant. Oui, alors, mais quand t'es en artillerie, tu regardes une artillerie. Le mec juste... faire de l'artillerie, bon, voilà. Bon. C'est vrai que là, c'est un peu le. J'ai gagné celle-là, accessoirement. Mais tu vois, je crois que le problème, c'est que si tu pouvais voir la vue artillerie, tu verrais plein de trucs. Les tactiques, tu verrais voilà, les mecs. Pourrais... Oui, mais c'est ça qui voulait. Ouais. Okay. Alors par contre, il pourrait quand même l'activer quand on est en peloton, je suppose. Même si il y a souvent les gens qui font des pelotons random en début de. Je te dirais que ça serait pire en peloton qu'autre chose. Ah putain, je suis à 100 mètres de. Oh là là. Bon bah écoute, voilà, on a tout réussi. Toi, t'as rien fait, moi non plus. J'ai pas tiré un seul coup. C'est une partie vraiment très intéressante. J'ai quand même fait 255 XP. Bah écoute, j'ai fait 327 XP. Voilà. Bon bah écoute, du coup... Ah bah le T2 c'est toujours pas fait, putain, bordel. Mais qu'est-ce que je fous? Allons-y. Gigan n'a pas répondu. Eux aussi, il m'a dit ok. Attends. On a. Comment s'appelle-t-il? On a M305 qui est là. Dick Mister. Je sais pas comment on l'invite.
Pas invité dans mon peloton en fait. Ouais, invite-le dans le peloton si tu l'as. Alors, faut peut-être que je l'ajoute. M305. Chercher. M305 SPFR, invité. Donc, ah bah coucou Chicken Skill. Enfin, re-coucou Chicken Skill. Non, mais il dit bonjour à Magic Fister. Ah, Magic Fister qui est là. Coucou Arthur Prige. Les bières au frigo, tout ça, tout ça. Merci pour le host, Magic Fister. Chicken, je sais, je connais le, je connais leur un peu l'idée, mais ils ont pas vraiment fait un update très rapide sur la 6. Là, elle est sortie il y a un mois ou deux, donc c'est pas non plus ultra. T'as invité M305 pour vouloir te mettre la pression? Oui, j'ai invité M305, ah, oui. Alors. Pas s'il va répondre. Il dit qu'il est en sous-marin, mais qu'il est là. Ah, mais non, c'est Chicken Skill qui est en sous-marin. Oui. Oh là là, putain, mais là, pour l'instant, M305 ne répond pas. Donc, bon, mais écoute, non, mais Chicken, je pense qu'ils ont fait, les updates. Ils se sont dit que c'était des bonnes idées de laisser ça activer ou de faire ça comme ça. Le pire, c'est que sur leur version d'Android, là, quand ils connectent au PC, ils repèrent un lecteur et dessus, t'as juste un répertoire driver. Donc, tu dis, ouais, c'est cool, à la limite, au pire, t'installes le driver qui est dedans et puis ça remarche. Mais en fait, pas du tout. Le driver A, M305. Ah, invité. Ça répond. Bon, les choses se passent. Et en fait, voilà, il y a un driver, mais je ne sais pas à quoi il sert. Parce qu'il ne fonctionne pas. Donc, tu l'as reçu, tu as même répondu, et je viens de t'inviter dans le peloton. Ah, live maintenant. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Une M305. M305 bon. Qui arrive? Oh, non, au moment où je l'ai invité dans le peloton, il s'est mis offline. Il n'est plus connecté sur le jeu. Voilà. Bon, faut qu'on en fait une, on verra après. On n'a pas le temps de niaiser. Magic Mister, le problème, c'est que depuis la mise à jour Android 6 sur mon téléphone, quand tu le branches à un PC, il installe, il se connecte, mais t'as plus accès au fichier du PC, au fichier du téléphone, t'as plus qu'un. Et c'est pas juste le problème. C'est un retour à la con. C'est pas juste le problème qu'il faudrait réactiver le débogage USB, tout ça. Non, non, rien à voir. T'inquiète pas, on a déjà tenté. On a priori, il y a beaucoup de monde qui a posé la question à Alcatel France, et la réponse officielle, c'est installer SmartSuite. Effectivement, ce qui est très, oui, c'est leur soft propriétaire. Ouais, ouais. Mais ce qui est très très fort, c'est que tu l'installes, tu le désinstalles, du coup les pilotes sont installés, c'est bon. Ouais, ouais. Mais voilà, c'est en 2016, et quand tu branches le téléphone, t'as un répertoire qui est accessible, c'est un répertoire qui s'appelle Driver, il y a un putain de pilote dedans et qui ne fonctionne pas. Donc, il y a un moment, faut quand même arrêter de se foutre de la gueule du monde. En même temps, j'ai envie de te dire, en 2016, être compétent, c'est plus un critère. Magic Mister et KDB, ça marche pas non plus. Pas non plus, il faut vraiment un soft propriétaire. Il faut une couche pilote propriétaire, donc voilà. Ah d'accord, c'est pas ce que t'as fait. Ok, je te réinvite après. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème? Non, mais il devait être sur EU2. Ah bah oui, bah forcément. Oui, mais aïe. Je sais pas d'où on tire dessus. Ah mais c'est le fucking T2 Medium là-haut. Il attendait pas, par exemple. Ah putain. Ah, je me suis fait foncer, mais n'importe quoi. Manager of some shit. Ils ont complètement chié sur ce coup-là. Et l'autre problème dont je parlais, les deux seuls problèmes que j'ai sur cette version, pour ce que j'utilise, c'est donc ce problème de pilote. Et l'autre problème, c'est qu'il y a une notification sonore quand tu as chargé ta batterie à 100%. Elle n'est pas désactivable. Oui, elle n'est pas super. Enfin, d'essayer de dormir. Je t'assure que ça réveille systématiquement. Là, il y a un putain de connard en M2 qui me troll. Je l'ai sur le mien, je l'ai pas désactivé, mais ça dépend probablement du volume et de la notification. Coucou Max, c'est 62 000. Je suis curieux de savoir ce que c'est que le département 62, j'avoue. Ah, mais c'est pas la Savoie ou un truc comme ça? Non, ça, c'est 73, il y en a. Savoie, c'est 73. Ah oui, non, c'est 73. C'est 62. Aïe, 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 aïe. Tu t'es fait assaisonner le fion, là. Un peu, ouais.
Ah oui, mais c'est parce qu'il y a trois mecs. Oui, mais je pensais que mes collègues s'en occupaient, mais en fait pas du tout. Non, mais le mec qui compte tous ses collègues. Salut. Salut. Attention derrière toi. Oui, oui. Attention derrière toi, c'est affreux. Oui, mais ma tourelle est en train de tourner. Allez, retour au garage. Et on va réinviter. Derrière toi, c'est affreux. Ah, le Pas-de-Calais, me dit Magic Mister. Mais c'est pas le. Ah non, c'est le Nord, le 59. D'accord. Effectivement, PQRS, oui, ça a l'air logique. Ça a l'air tout à fait logique. Ouais, ouais, 59, les ch'tis, tout ça, hein. Pédophiles, consanguins, chômeurs, soyez les bienvenus. Bon, les chômeurs, ça me fait un peu chier, parce qu'on a besoin d'argent, envoyer des sous, tout ça. Mais donc, je le rappelle, hein, merci pour les participations à la cagnotte, je sais qu'il y en a eu. Enfin, du moins, j'espère, mais ça s'est fait, et donc ça, c'est très bien. Je viens de réaliser... C'est maintenant, Guégué. Alright! Merci pour le follow de Spartan44. Sois le bienvenu, tout ça. Tu tes amis, je t'ai plus dans ma liste de. Quoi? De contact, Mathieu. Bon, bah, du coup, on a Guégué. Ah, bah, voilà, Guégué, là. Bon, bah, oui, je sais pas ce qui se passe avec Mathieu. Hein. Bon, je suis désolé, encore du 2. Arrêtez, vous allez faire fuir le Benoît. Sort un léger en 3, on va tellement se faire pourrir par le matchmaking. Ah bah ça. Rebonjour Bordelot qui est de retour, la mafia bordelaise. C'est toi qui... Oui, c'est toi qui dois faire F5, Magic Mister. Parce qu'on m'a signalé effectivement qu'il y avait un problème de l'annonce du jeu. Bon, il y a Mathieu qui dit qu'il nous invite, mais le problème, ouais, c'est que je crois qu'il a pas vu qu'on était déjà 3, en fait. En fait, s'il nous invite, ça va nous inviter dans nos pelotons, donc ça nous fera sortir de celui-là, en fait. Bah, live des cavernes... Oui, 62, le Pas-de-Calais, pourquoi pas. Voilà. C'est parti pour du 2, toc. Oui. Non, ne mets pas ce micro là. Bah, désolé Mathieu, hein, c'est la merde. Je l'ai même plus dans mes contacts. C'est même pas que j'ai même pas pu le réinviter. Je l'ai plus dans mes contacts. C'est la bizarrerie. Alors je sais pas si jamais il me supprime de ses contacts, si ça le supprime aussi de mes contacts. Je sais pas si le jeu marche comme ça. Bah, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il a fait bloquer par inadvertance. Oui, je sais vraiment pas, parce que je l'ai invité tout à l'heure en ami, il a dit ok. Je l'ai invité dans le peloton après, il m'a dit ah bah du coup ça avait déco, mais j'avais pas vu que ça changeait de serveur. Ouais. Et du coup là je l'ai plus du tout dans mes contacts. C'est pas grave, couloir ouest comme d'hab. Ouais. D'accord, il m'a encore dans ses contacts. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que toi, au lieu d'inviter, t'as pas fait supprimer sans faire gaffe? J'aurais tendance à dire je pense pas, mais bon. Je veux dire, c'est pas inenvisageable. Ah non, c'est pas impossible du tout. Ah, désolé, un cafouillage. Vous savez, on est le matin, hein, je veux dire, voilà. C'est dur pour un gamer. un petit moment qu'on a eu quand même. Oui, moi ça fait un petit moment. Bah, je sais pas si t'as suivi les essais du Grand Prix. Pas suivi les essais du Grand Prix. Oups, il y a du monde. Oui. Il y a du monde au balcon. Donc un PZ1C. Bon, je vais bouger de là parce que je me sens pas à l'aise. Salut. Salut. Oh putain, il est déjà là le Panzer1C. Putain, la vache. Oui. Oui, il était bien là, oui. Bon, en tout cas, Gaël. Et personne d'autre s'est dit que c'était une bonne idée de s'en occuper. Bah écoute, je veux dire, on n'est pas nécessairement masochiste. Non, mais on était trois à cet endroit-là quand même. Bah, moi non, je suis un peu occupé par les mecs du flanc, je vais t'avouer. Oui, Higuchiro. Tu montes les japonais, toi, du coup.
Bah oui, bah je sais pas si t'as vu la gueule du tier 10 de celui-là, mais putain, ça donne envie. J'ai regardé vite fait, il y avait les lourds japonais qui avaient l'air. Ouais, voilà. Pareil, il y a des médiums japonais dans les petits tiers et qui sont bien chiants. Un Bah, tier 3-4, là. je te garantis que celui-là, tier 10, ça va faire yamété, Sans paye. yamété. Où est Mewkwani quand on a besoin d'elle? Ah, mais oui, tout à fait. Yamété Onii-chan, c'est un Qu'elle nous style de enregistre vie. des samples, tiens. Mais ouais, apparemment, d'après ce que me disait Polo, sur console, le lourd japonais tier 5 est déjà bien chiant. Oui, bah, les OI expérimentales et l'OI, ouais, Ouais. ils sont bien, bien blindés. Ouais. En tout cas, il me disait qu'il en était très content. Ça lui arrive Ils sont pas très lourds. souvent Ils sont très lourds et très lents. de ces chars. Pas lents. Ils ont une bonne puissance de feu. Et ils sont bien blindés. Oh putain, par contre, j'ai l'impression que il a du mal avec les pentes, le mien. Déjà, il a une vitesse de croisière de 25 km/h. C'est pas... Bon, ça va, tu montes à 15-16. Non mais il souffle, il souffle ses tripes, hein. Oui, par écoute. Bon, mais on arrive, on arrive. Ah mais Oui. toi t'es mort, je pensais que c'était toi, Guégué, mais en fait non. Bah, je voyais un Ouais, truc tu te jaune qui me souviens? disait que c'était toi. Oui. Tu te souviens du Panzer 1C au tout début, là? Ouais, c'est lui. Ah, c'est lui Voilà. qui t'a eu. Oui, Ah oui. oui, mais écoute, je veux Ah dire, bah voilà, t'es oui. mauvais. Ah, lui là, merde. Oh putain, l'obus qui arrive 10 minutes après quoi. Oh, d'accord. Allez, allez. Merde, genre je touche même pas quoi. Bon. Je crois que dans la famille servait à rien. Ah Merde. bah moi j'ai fait fort. J'ai bloqué les. Je crois que j'ai bloqué les tirs. Moi je veux accidenter des Bentley, J'ai pas t'entends? bloqué grand chose. Okay. Bon bah voilà. Bah Mais écoute, ça comme s'est fait. d'habitude, hein, on gagne les parties de merde. Le gros défaut du T7K. Il pénètre déjà très mal dans son même tiers, mais alors dans les tiers supérieurs. Même un PZ1C, qui est quand même pas un char spécialement blindé. Bon bah écoute, moi j'ai fait mes bonus. Écoute, on peut s'en faire une petite en 4 peut-être? Histoire de terminer ça. Bah, écoute Mathieu, désolé pour les Ah, Mathieu, cafouillages. ce sera la prochaine fois, je C'est la crois. faute à Doc Klein. On va dire ça. Non, je sais pas ce qui s'est passé, hein, j'avoue. Est-ce que tu Bon. l'as à nouveau dans ta liste? Je ne sais pas. Je l'ai pas dans ma liste de use. Hein. C'est Bah, un je sais peu pas, n'importe essayer de le quoi. rajouter au pire. Bah moi de toute façon je vais couper dans quelques minutes donc je te laisserai voir ça avec lui. Moi, il est dans ma liste, hein, donc Oui si tu veux, non mais voilà. vous Donc jouerez mais comme moi je... Oh putain de merde le matchmaking. le matchmaking, mais non quoi, on est qu'en U7, il est où le problème? On va se faire tellement défoncer. À quoi sert un fusil soldat? À fusiller mon général. À quoi sert une mitraillette soldat? À mitrailler mon général. À quoi sert un tank soldat? Je sais pas, à tanker. Oui, à C'est quoi tanker, cette map? Putain, je la connais pas. oui. Quelle Parce qu'on espèce tombe de du tier 7, donc ça Pilsen? débloque un autre map pool et... Pilsen. Oui, bah écoute, ça fait un moment que je fais du Hetzer, hein. Et non, mais par contre, ça me surprend qu'il y ait des tiers 4. Ah, mais j'avais pas vu, putain, il y a Guégué qui a pris un léger. Reste. Fuck me, j'avais pas vu ça. Guégué a joué les boulets, a pris un léger 4, c'est ça? Oui, Oui, j'ai même oui, pas oui. réagi, j'ai vu qu'il a pris un 4, je suis parti tout de suite, j'aurais vu qu'il avait pris ça, j'aurais pris un lourd en 5. Ouais, non, mais là, effectivement. Merde. On va servir à rien. On va Mais rien non, mais encaisser, non. on va faire mal à personne, ça va être vraiment sympa comme partie.
Bon, bah écoute, Mathieu, il n'y a pas de problème, on se rechoppera un de ces quatre, t'inquiète. Moi, je suis Non, là. mais Mathieu, après cette partie, moi j'arrête, hein, donc il va pouvoir pelotonner avec toi. Ouais, mais j'imagine que lui, il a des fois 3 sur des tirs à la con à faire. Enfin, des tirs à la con que je n'ai pas. C'est pour ça qu'ils sont à la con. Oh, bah j'ai fait du dégât, gars, ma partie est réussie. Ah, bah voilà. Bah écoute, il y a un LC Amix au milieu là. Il doit bien être chopable par quelqu'un. Moi j'ai fait pas de dégâts. C'est pas passé ça. Pas longtemps l'artillerie va s'occuper de moi. Mais non, il n'y a pas d'artillerie. Regardez. Le mec qui paranoïe. Tigre 1, je lui fais pas tellement mal. Oh merde. Alors note que Guégué nous dit T. Je suis sûr que c'est très intéressant. Merde. C'est du dégât, donc tu peux sortir, c'est bien. Ah, je suis pété. Vas-y, reviens, reviens, reviens. Reviens, reviens, je te fais mal. Voilà. Oh, mais t'es un super 85. Bah oui, c'est normal que tu pètes des trucs quand même. Le tier 6, le HT... No 6, ok, mais le Tigre 1, je lui fais rien. C'est fâcheux. Dégâts. Les Russes sont des fous. Oui, mais en plus, le Tigre 1, non seulement je lui fais rien, mais en plus, il a 1500 HP. Mm. C'est mort. Hein. Quand l'homme qui tombe et le colombe qui porte le fusil tombe, celui qui le suit ramasse le fusil et tire. Oui, tout à fait, Stalingrad... C'est vraiment un excellent film. Oh putain, ils se sont fait le tigre, je bouge. Black Prince, tiens, je le connais pas celui-là. Ah, grosse cible Black Prince et relativement... 1450 points en tier 7, je vais rien lui faire. Par contre, écoute, on va s'intéresser au relativement vulnérable parce qu'il a de grosses surfaces plates. Donc ça c'est toujours exploitable après. Voilà, surface plate. Lui mettre des trucs dans le fion. Voilà. Suppositoire et Oli. Holy shit, dirais-je même. Ah oh oui, oui, c'est bon, c'est bon. Et avance pas plus loin, qu'est-ce que tu fous ? Ouais. Je fais pas vraiment mal, mais. Écoute, pour l'instant, il ne prête pas attention. Ouh, celle-là, elle a bien tapé. Bah, tu vois quand tu veux. Voilà. C'est moi qui le kill. Non, mais c'est vraiment marrant parce qu'en tirant au même endroit, un coup je fais 50 points de dégâts, un coup je fais 600. Ouais, mais tu tires au même endroit, putain, on a gagné. Mais ça veut pas dire que. Oui, oui, ça tape. Fais pas ton On a gagné. Bon, en tout cas, bien joué. Bien joué, bien joué. C'était tout à fait réussi. 3-3, ça valait le coup, là. Ouais, bah moi j'ai fait même pas 300 d'XP, tout va bien. Bah moi j'ai fait 1788. Bah écoute, merci, merci. Donc du coup, toi, tu te barres, je réinvite... Moi, je vais couper, donc Mathieu, vous allez pouvoir... Moi, je sors du peloton. Ok, pas de souci. Voilà, voilà. Donc, si tu fais une autre invite, ça va te faire quitter automatiquement. Fais un peloton. Inviter des joueurs... M305 fait 10. Qu'est-ce que tu fais avec un forum de pétanque? Hein? Non mais il a pétanque. Des trucs bizarres. Attends, je vais couper je vais couper chez moi. Bon, merci les viewers, tout ça, on se reverra. Faites pas les fous. Fais pas le fou, t'as pas le match-up. Les invite. Ah bah voilà, les gens sont là. Les gens sont tout à fait présents. Okay. Bon, en même temps, voilà, j'ai quand même. J'ai quand même un peu de la merde à vous proposer. C'est quoi ce chat, le chat que t'as à gauche sur ton écran? J'avais pas vu. Le chat à gauche, c'est celui de Hitbox, voyons. Ah putain, d'accord, t'as les deux maintenant. Ah oui, il se passe des choses ici. Magic Mister. Il a un compte Hitbox, il est même pas venu chez moi, Magic Mister. Ah bah t'es... Bon, tu me diras, j'ai pas cubé. Je crois qu'il connaît pas, puis si tu faisais comme les gens intelligents et que tu mettais un véhicule de rang 3, excusez-moi les gens, de t'attaque, et pourtant j'ai choisi...
Ah, M305 n'a pas de micro, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah. Ça dénonce. Ah, coucou Rissou. Là, je suis désolé, vous arrivez alors qu'on a déjà pas mal avancé. Bon, a priori, je me fous en C8, je devrais être peinard. Ouais, mais Magic Mister, en plus, moi qui héberge Doc quand il est sur Hitboîte en général, et que je n'y suis pas, hein, parce que quand même, faut pas déconner. Bien malgache, ne profite jamais, mais qui est con. Ah là là. Alors mine de rien, j'ai encore du mal à me réhabituer aux distances limitées des artilleries. Des artilleries dans les tireurs. Ouais, c'est chaud. Donc toi l'artillerie soviétique, t'es déjà tier 4 en fait. Ouais, mais je la joue vraiment extrêmement peu. Ouais. Là en ce moment je la joue peut-être 2-3 fois par jour, en plus des bonus quotidiens, c'est tout. Hmm. 50 parties quotidiennes ou plus. Alors, où sont les vilains ? Non, je viens de mettre ton stream en plein écran vu que j'ai plus le mien qui tourne et du coup l'expérience est un peu différente. Ah bon, tu crois ? Non, mais la qualité elle est mieux sur Xbox. Bon, alors apparemment. Je sais pas si on peut tellement criminer le. Oui, terreur de portée. Ouais, je suis un peu. Par contre, c'est chaud parce que. On peut tellement incriminer l'hébergeur là, du coup. Parce non, que... mais c'est totalement la faute à Twitch. Non, le truc c'est qu'en fait, ça serait très pratique si je pouvais faire un peu d'essais de qualité. Parce qu'en fait, je voudrais bourrer Xbox. Et ensuite, bah écoute, si ça marche pas sur Twitch, les gens ils vont sur Xbox et puis ils s'abonnent, ils envoient les sioux, hein, j'ai envie de dire. Oh, oh, toi là, oh, tu me fais envie. Oh putain, le con il a bougé. Ah, ah, j'ai la haine. Regarde sur ton stream, donc du coup j'ai le décalage. Oh putain, mais arrête de bouger, enfoiré. Ah putain. Ouais. Mais en tout cas, c'est quand même vachement sympa d'avoir des bonnes explosions. Ah, quelqu'un me suit, qui me suit? Merci Carnivore 926, sois bienvenu. Tout ça, 92 easy. Allez, là je le touche. Oh putain. Ah les enfoirés, bon on va essayer de... Tous ces gens. Oh putain, ils sont en train de venir comme des oufs quoi. Putain, oui d'accord, toute la team est morte, il reste plus que moi quasiment. D'accord. Je le sens très bien. Je crois que je vais me casser de là aussi vite que je vais pouvoir. Alors je crois qu'il y avait des gens avec moi qui étaient censés bien jouer. Hein? Je ne les félicite pas. Ouais, M305, clairement c'est difficile en arty, mais d'autant plus que voilà, c'est quand même de l'arty avec pas beaucoup de portée, tout ça. Bon, alors est-ce qu'on va réussir à schnapser les gens et aller capturer la base? Je ne sais pas. Ah merde. Alors, de ce que j'en vois sur le stream avec le décalage, ça me semble un petit peu optimiste quand je vois. même si vous mettez à 3 AKP. Ils ont que des légers en face. Non mais t'inquiète pas, on n'est plus 3. Ouais, effectivement, 2. Moi je vois que 2 en face. Ouais, mais enfin, en fait, non. Les mecs, je ne vous félicite pas. Hein. Je veux dire, voilà. United Colors of Bande de Cons. Non, là on a été un petit peu présomptueux, je crois, hein, les amis. Bon, j'avais indiqué qu'il fallait. Comme sur le stream, Carnivore. Pardon ? Comme sur le stream, pardon.
Ah, il y a Carnivore qui demande comment tu t'appelles sur sur What. Bah, c'est les mêmes pseudos que sur Twitch. Pardon, excusez-moi. Je suis un peu la dégoûtance. Schnapps, c'est moi, je veux ma Schnapps Shower. Ah bah, je peux te dire que nous, on l'a eu. Ah, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Bon, la même en moins crispée, s'il vous plaît. Ton mot de passe sur World of Tanks. Hein? Est-ce que tu as changé ton mot de passe sur World of Tanks? Non, pas encore. Mais j'ai pas encore vraiment besoin d'acheter une place, donc je m'en emballe les couilles. Mais je vais étudier la question. Mais je dirais bien, fais-le tant que l'offre est valable. Quoi. Je sais pas si elle est prévue de se finir un jour ou pas, mais il suffit qu'il change d'avis. Quoi. Et tout à fait. Et d'ailleurs, oui, disons-le aux gens, parce que les gens ne connaissent peut-être pas l'astuce. Donc, c'est que il suffit d'avoir... À votre premier changement de mot de passe... Sur World of Tanks, mot de passe, vous aurez 300 pièces d'or, et ça c'est quand même la classe. Et si vous ajoutez un numéro de téléphone pour valider votre compte, il rajoute 100 pièces d'or, mais ça, ça les vaut pas. Ouais, non, clairement. Donc là, ouais, le petit coup de... Daesh 201, du mot de passe pour 300 pièces d'or, ouais, ça vaut vraiment le coup. On lave les tanks sales en famille. Ah putain, on est complètement foutu, bande de voleurs de couleurs comme Kodak. Ensk, une map sur laquelle j'avais du mal et ça commence à aller un peu mieux. C'est pas une map que j'apprécie énormément. Celle-là, mais... là, c'est quoi déjà? J'ai oublié. Ensk. Ensk, ouais, ouais. J'ai eu beaucoup de mal sur mes premières parties dessus. Là, ça commence à devenir à peu près jouable. Mais je suis toujours, toujours en arrière sur cette map. Ça fait longtemps que je l'ai pas faite en arty, je veux dire. Très longtemps. Je l'ai pas fait long souvent en arty, celle-là. Ouais, pas souvent en arty. Qu'elle est chiante parce que t'as vite fait de te faire démonter. Ah bah, passer sur les côtés, bien sûr. Ouais, ouais, non, mais les mecs souvent ils bourrent vers le gros, c'est au milieu dans les bâtiments. C'est la croisée dans les bâtiments sur la gauche, sur l'ouest, là. C'est entre les deux gros bâtiments que ça se passe. L'endroit là où il y a les poutres, merde. L'endroit là où il y a les poutres est un bon endroit en général. Mais voilà. Je vais te mettre là au milieu de. Merde. Allez, montrez vos gueules, allez. Oh putain, mais ils sont tous au même endroit, mais ils ont campé comme des putes au début ou quoi? C'est assez hallucinant, hein. Je dirais que je suis assez halluciné. Ah, ah. M5 Stuart. Comment veux-tu mourir? Oh, évidemment. As-tu fait... Hop ah oh. Chip des artilleries à tourelle. Ah, faut que je regarde dans... Putain, le M3 Stuart là qui est en train de nous contourner, on va tellement se faire guaquer. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, tous ces boulets. Pas foutu de protéger leurs artis, voilà, c'est ce que par ça contre, c'est vraiment bizarre que tout le monde soit à l'est. C'est un truc que je vois jamais sur ce map. Bah, c'est probablement parce qu'en fait, comme un con, j'ai négligé le fait qu'il y avait un seul drapeau. Et du coup, tout le monde s'est dit, wesh, on va contourner, t'as vu? C'est sûr que ça sent, ça change vachement la façon d'aborder la map, mais quand même, là. J'ai tellement guaqué la gueule. Je voilà, ça c'est la partie de merde. Ah, est-ce que je vais faire des dégâts? Non. Ah, ah putain, vous me faites chier. Vous me faites tous chier, bande d'enfoirés. Bon, bah écoutez, je crois que c'est pas très concluant. Je crois que c'est pas très concluant. J'ai besoin d'une pastille Vichy, là. Non, mais je le vois avec le décalage, là, donc. Ah oui, non, mais là... Là, c'est la dégueulasserie. Je crois que je vais prendre autre chose, hein, comme tank. Tiens. Un léger. Non, le léger, non, ça va pas être bon. Un petit coup de Valentine, peut-être. Bon, et ça sera la dernière avant que je coupe, hein. Parce que là, on me dit que l'argent des abonnés, tout ça, tout ça.
Par contre, je suis pas sûr de faire une autre VOD là-dessus. Je vais peut-être embrayer sur autre chose. Défaite. Ah, je suis surpris. Pour ce, ok, moi, je te bah laisse. écoute, à plus, Doc. Ciao, ciao. Ouais, à la prochaine. Ah bah évidemment, là, avec les G, ils vont pourrir mon matchmaking. Ouais, non mais effectivement, je vais jouer dans les toilettes si on me fait chier. Ah bah Carnivore est là, mais oui, totalement, on accepte. Mais ouais, c'est difficile, hein, c'est difficile. Je sens que les gens en face sont quand même assez vénères. Des propositions parisiennes indécentes, quoi. Ah, mais oui. N'oublie pas de rendre l'argent après. Rendre l'argent des Gabonais, jamais! Tac tac, on est là. On est beau, on est fort. Bon, donc moi c'est couloir est, hein, ici. Après on étudiera la façon dont ça se présente. Attention au secteur E2. Oui, mais je vais pas y aller moi avec mon chasseur. Mon bon chasseur, sachant chasser. Est-ce que je le sens moyen quand même? Alors Magic Mister, le Ulule avec l'histoire de rendre l'argent, ça a un rapport avec Superflip? Parce que je me pose la question. Bon. Hop, 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 hop. Voilà. Tu rentres pas. T'as des baskets blanches. Merde. Merde. Ah. Putain, l'enfoiré, il a détruit l'idée. Le salaud. Ah non, c'est pas lui, c'est un autre. Bon, si ce n'est lui, c'est donc son frère. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah forcément. Ah bah ça va marcher moins bien. Alors. Les mecs ils sont pas fous, ils avancent pas. Hein. Bon, on va faire le tour. On va être un peu d'extrogir, n'est-ce pas? Richard d'Extrogir. Putain, du coup, je sais pas pourquoi j'ai faim là. Oh putain. Enfoiré! Ah bah oui, mais forcément. S'il y a un ATD dans le coin, je suis sûr de me faire assaisonner. Pif, non, c'est pas là. Pif. Apparemment non plus. Mais qui me tirait dessus, bordel? Voilà, t'es où? Ah. Bah évidemment, je ne pénètre rien. Comme dans la vraie vie. Ah putain, mais... Ah putain! Allez, on vise. Ah putain, il s'est rechargé aussi, ce serait bien. Ah putain! Je le sens tellement mal. Oui, mais suspension endommagée, hein, je veux dire, voilà. Bon, les amis, j'ai l'impression que je meurs moins vite que vous quand même. Hein. Je dis pas que je suis mieux. Hein. Coucou Bordelot, donc qui a fini par follow, tout à fait.
Ah, Ishli Bibiche, coucou Ishli Bibiche, qui comme d'habitude arrive plutôt à la fin des lives. Bon, je crois que je vais peut-être je fais une interruption de VOD, mais ça reprend, ne vous inquiétez pas. On est toujours là, on est présent. Et du coup. Merde. Voilà. Après avoir mis les tanks ennemis en position latérale d'hilarité, Norage de mon déchenillage. Donc à tout de suite et bisous bisous, merci d'être là, merci des follow, ça fait très plaisir et ne vous inquiétez pas, ça va reprendre tout de suite.